Bonjour, bonjour, afternoon all, because it's afternoon. Donc, cette semaine, alors, ça va être la finition de cette pièce, c'est-à-dire enlever ces barres, so I need to take, remove those supports, take the wood off there, I need to see if I need to sand the edges, clean the edges and everything like this. Donc, nettoyer un peu les bords, les angles et tout ça. Poncer le trou, la poutre à faire, l'électricité à mettre, so the beam to stain and secure the electric as well here. And then there is the bedroom, et donc après il y a la chambre, ou alors là il faudrait que je finisse le plâtre de partout, il y a besoin de réparer ça. Donc ça c'est le plan pour cette semaine. Et voir combien on peut en faire, see how much we can do of that, there's plenty of other things to do, mais il y a toujours plein de choses à faire d'autres de toute façon. Bon, donc ça c'est finalement fixé correctement, so that's finished, the light is put properly, this ceiling has been lightly sanded, donc ce plafond a été poncé légèrement, ce mur aussi, il y avait quelques petits trucs à réparer un peu, so there was a few repairs to be done. Tomorrow I can sand this one lightly and maybe this one around the door, donc demain je peux poncer un petit peu ces deux-là et puis ce plafond ici. Sinon, le plâtre a été fait donc sous la fenêtre, commencer ce trou, et rempli là-haut. So those parts have been filled up a little bit today as well. And this one has been put a second coat to start to protect that a bit better. Donc il y a une deuxième couche sur ça. Donc demain je pourrai le poncer aussi et réparer le reste. So I can sand that tomorrow and repair a bit more of the rest. Voilà. Alors, du temps que ce plâtre est en train de sécher, comme ça je peux voir ce qu'il y a d'autre à faire. So, while this plaster is drying and see what else I can do. J'ai besoin de corriger ce tube. So I need to correct this pipe here. Because that's the drain. So, donc ça c'est l'évacuation d'eau pour l'évier, machine, quoi que ce soit ici. Et malheureusement, il part dans le mauvais sens. And sadly, this one goes in the wrong direction. Because the washing machine, I'm going to put it on the other side. Donc la machine à laver, je la mettrai dans l'autre sens. Ce qui fait que ça, il faut que je le coupe ici. So I need to cut that here. And then after that, I need to try to make the hole big enough to put that in. So after that, I need to make the hole big enough to put that in. So that then I can put a pipe on this one. At least this one will be good for anybody after that. Celui-là sera bon pour tout le monde après parce que celui-là, il se met comme ça, et après on se met où on veut. Je peux le sortir, so I can take this one out and everything. So, that's what I would like to do, and try to make this hole, cut that, make this hole bigger. Donc, couper ça et faire le trou plus gros. Alors, on va essayer déjà avec ça. We're going to try with that first. Now, maintenant, on va essayer pour l'agrandir un peu plus avec ça. So, to make it a bit bigger, we're trying to try with that. Bon, voilà. Alors, voilà, je vais comprendre avec ça.
I'll be pleased with that, so that now I can put anything I want after. Hop! Je pourrais faire ce que je veux après. Donc je pourrais faire pour la machine et pour l'évier. So I can do for the washing machine and for the sink. Voilà, impeccable. Ça a été nettoyé d'acétone, so it's been cleaned with acetone. So that now it should go just nice in it. Maintenant, il peut aller dedans. Voilà, impeccable, il n'y a plus qu'à le coller. So now I just need to glue this. Voilà, c'est en place. There, it's in position, it's glued. Now, when I want to do the rest, comme ça, quand je pourrais faire le reste, et ben, ça sera juste une question à faire. Plonk. Et après, je pourrais le fixer quelque part au mur. And I could fix it to the wall somewhere. But at least I can orientate. And I can take it out where I want. Lovely, impeccable. Je vais remplir le trou avec de la mousse expansive. So, I'm going to fill that up now with some expansion foam. So that, par exemple, on essaie de discuter comme ça les insectes ou autre chose ne peuvent pas rentrer, puis ça tiendra tout. Et ça, ça devrait déjà bien se remplir. Alors, j'en suis toujours à un peu plus de ponçage, comme j'ai fait ça hier. So, since I've done that yesterday around, there's a bit of smoothing to do between the two. Donc, j'ai fait le plâtre hier, donc j'ai un peu de ponçage à faire entre les deux surfaces. Donc, ça se voit. Et puis, on voit ce que j'ai fait là et puis ce que j'ai fait là. Donc ça, par contre, je ne l'enregistre pas. So that, for the moment, I'm not recording it for the simple reason that it's horrible to see. There's a bloke that is topless and it's blinding. Voilà. Donc je ne fais pas de vidéo pour l'instant parce qu'il y a un mec torse nu et ça fait mal aux yeux pour l'instant. Donc je ne fais pas de vidéo sur ça. Voilà. Le temps d'une autre tournée de plâtre. Another round of plastering. Voilà, bon, cette réparation est presque finie. Il faudra que je refasse un peu à l'intérieur. I'll have to do a bit more on this center of that and do that. But otherwise, it's going to be a short day today. Donc aujourd'hui, ça va être une journée un peu courte, donc, mais j'en ai toujours un petit peu à réparer au milieu. Il y a tous les autres murs. Parce que ce soir, il y a un relâché d'oiseaux sauvages d'un hôpital animalier où je vais aller prendre des photos. So tonight there's a release of animals from animal hospital that were hurt and whatever, and they're freeing them tonight, they're letting them go. So I'm going to go and take some photos. So I might put a couple in there. Voilà, donc à demain. See you tomorrow. There's always quelque chose avec ces murs, hein? There's always something with these walls. I was just tapping around and I found this hollow place. So je tapais autour sur le plâtre et puis j'ai trouvé ce hollow qui avait l'air creux. Donc j'ai commencé là-bas, started there, tap 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 tap, en levant la tête, puis j'enlève tout, tout se casse la gueule. And everything.
Alors, le plâtre est en train de sécher, so the plaster just done is drying, so I'm going to prepare this beam. I'm going to take the light off and prepare the beam. Donc je vais, du temps que ça sèche le plâtre et tout ça, je vais enlever la lumière et je vais nettoyer cette poutre et je vais la teinter. Et donc, fait maintenant, so the beam is done. C'est plus dark que dans la tente. C'est plus foncé que je pensais. Je suis pas habitué à ce qu'ils mentent sur les boîtes. So I'm not used to them lying, but that's supposed. Alors, regarde la manière. Ça, c'est supposé être la couleur. That's supposed to be the color. I'm used to rancid in England. That's exactly what's on the tin. Je suis habité à Rancid en Angleterre qui dit que c'est exactement ce qui est marqué sur la boîte. Ben, comme on voit ici, ben, c'est bien plus foncé. Enfin, c'est pas laid. Je la préfère un peu plus légère. Mais enfin, voilà. Bon, ça, une autre chose de fait. So another thing done. Et ben, j'ai branché la clim. So I've plugged the aircon just to see. And it's lovely, it's quite chilly actually. Presque froid devant, c'est bien hein. Donc j'ai mis à 27, so I put it to 27. And it was at 28.8 when I put it. C'était à 28.8 quand je l'ai mis, je sais pas, on voit bien là, 28.3. So 28.3, now it's gone down a bit. And I put it a bit 10 minutes ago, je l'ai mis à seulement 10 minutes. Donc on va voir, mais je suis content pour mon bureau, ça sera bien ça. For my office, that would be lovely. For the bedroom as well, et pour la chambre aussi. Voilà, ça se voit pas trop bien, so you can't really see it well on the video, but anyway. Most of the repairs have been done, donc la plupart des réparations maintenant sont faites. Par contre, maintenant ça va prendre du temps à sécher ça. So that's going to take a bit of time to dry. So what I'll do tomorrow morning, then I'll go in the attic and carry on insulating the roof. Donc demain, je vais sûrement aller dans le grenier et puis j'isolerai un peu plus la toiture. Parce que ça va prendre du temps à sécher, c'est épais. Donc voilà. Comme ça, bah, il fait frais le matin et puis dans l'après-midi, je peux rentrer dans la maison et faire autre chose. So in the morning, it'd be cool, so I can be there and in the afternoon, do something else. Voilà. Voilà les premières figues de l'année que les oiseaux sont en train de manger. But the birds are starting to eat already, so the first figs of the year. So picking them, the few I've got that are ready, because otherwise they won't be there. Donc je récupère celles-là les plus vite possible parce que sinon ils vont tout bouffer. Voilà. Retour sur la toiture. Comme il va faire frais ce matin, je dis je vais en faire un petit peu avant qu'il fasse trop chaud. So I'm going to do a little bit of the roof before it gets too hot. So, I'm about halfway there. J'ai fait à peu près la moitié. Bon, petite surprise. So, small surprise. I've got a baton that is broken. J'ai un bâton qui est cassé et une tuile qui était cassée ici. And a tile that was broken as well. So, we're going to fix that. Donc on va réparer ça. Voilà. Bon, bah les murs maintenant se poncent bien. Maintenant je suis arrivé pratiquement au dernier ponçage. So I finally arrived at the last sanding, I think. I'm still at those two walls there. Now, there's some people are going to ask, why is it, why are you sanding so often? Donc il y en a qui vont te demander pourquoi est-ce que je ponce tellement. Ben déjà, les murs sont pas droits, d'accord, les murs sont gondolés. The walls are completely wonky everywhere. So this high spot, this low spot. Donc, si on voit dessus l'image, on va voir des endroits qui sont plus sombres. We're going to see places that are darker. The darkest part are the low spot. Donc les endroits plus sombres sont les endroits plus profonds. Les endroits blancs, c'est ce qui sortait. Donc, quand je ponce, j'essaie de réduire les points hauts pour les mettre à peu près au même niveau que les points bas. Donc, I'm sanding the high spot to put them as close to the low spot.
And then when I put plaster, I'm filling up the low spot. Et quand je mets du plâtre, je remplis les points bas. Maintenant, le plâtre, lui, quand il sèche, eh ben, il diminue un peu. So the plaster, when I put it, when it dries, it shrinks a bit. So, and I put it on the low spot, on the high spot as well, when I put some. Et quand je mets le plâtre, j'en mets aussi un peu sur les points hauts. Donc, j'ai rehaussé les points qui étaient un peu hauts et j'ai rempli les points bas. Donc, je reponce et petit à petit, j'arrive à des murs qui sont pratiquement plats. So, eventually, I get to some walls that are flat. As flat as possible, otherwise I'd spend a year. Donc, aussi plat que possible, parce que sinon, j'ai passé un an dessus. Mais après, ben, je pourrais donc mettre de la peinture. Et puis, je verrai les petits défauts, là où il y a des petits trous, tout comme ça. So, with paint, I'll see where there is some knocks and things like this that I can fill up. But that's just with a trowel, just a little bit. So, I can see there's a low spot there. Il y a un point creux là qu'il faudra que je remplisse un peu, sinon le reste c'est bon, il y en a un aussi là. Voilà. Donc, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est pour ça que ça prend si longtemps. That's why it takes so long in this blinking house. Voilà. Voilà, donc ça, ça devrait être les dernières réparations. So that's the last repairs now. I even done the switch that I forgot to do. J'ai même fait l'interrupteur que j'avais complètement oublié. Sinon, je ne peux pas finir. Donc, demain, j'espère pouvoir poncer ça légèrement. Donc, toutes les réparations. So tomorrow, I'm hoping to give a light sanding to the repairs. If they're right. And paint. Paint the walls and the ceiling all in white. I hope I've got enough paint. J'espère qu'il me reste de la peinture. Et puis comme ça, au moins, ça serait net. Voilà. D'ailleurs, je vais vérifier s'il me reste de la peinture. Voilà. Le dernier ponçage de fait. The last sanding has been done. So I'm going to brush all that. Donc, je vais balayer tout ça. Je vais nettoyer autour des prises pour que les prises aillent dans les murs. So I'm going to clean around the sockets so that the sockets can go in the wall and things like that. And then I'm going to paint the walls. Et après ça, je vais peindre les murs. Voilà! Je peux commencer à peindre la dernière pièce, la dernière chambre. Ça, c'est un bureau. I can start painting the last room. That's the office, Stephen. That's it. Voilà! On y va! Let's go! Well, the première couche est faite. So the first coat is done. So that's the whitewash. Donc ça, c'est la couche diluée. Donc ça, c'est pour pénétrer à l'intérieur du plâtre et le seal it, pour le fermer, voilà, l'étanchéifier. So that's to seal it and waterproof it and everything. So I'm putting the fans on. Donc j'ai les ventilateurs pour que ça sèche parce que je veux faire la deuxième couche avant de partir ce soir. So I want to do the second coat, so that's why there's the fan. Voilà! Fin de la semaine! End of the week! And the bedroom is being painted. Two coats. Et la salle de bain, la chambre, la cuisine, la salle de bain, la chambre a été donc peinte deux fois, il y a eu deux couches donc, pour bien essayer de blanchir ça. Donc bien content du résultat. La semaine prochaine, donc, je pense que je vais faire du rangement. Je vais me débarrasser de toutes les saloperies parce que j'en ai plein dehors.
So I'm going to clear all the mess next week because I've got plenty outside I need to clear out. I've got some timber, I've got some wood, I've got some bricks, I've got stuff everywhere. So I'm going to tidy up a little bit everywhere, get rid of all the things that are in the way. And I might start doing some of the cracks, the outdoor cracks in the walls, because here there is some on those walls there. We can see there's one there, there's another one there and everything. So il y a plusieurs fissures à faire, donc la semaine prochaine je vais attaquer les fissures à l'extérieur. Donc ce côté là qui le matin est à l'ombre et puis sur le devant. Donc voilà, c'est des choses qui ont besoin d'être faites. Alors je vais commencer ça. So that's what we're going to be doing for next week. There, but please do that, good week. Voilà, donc et ben bon week-end à tout le monde. Have a great weekend, good Sunday, see you on Monday, don't work too hard, have some rest, and hopefully everything will be alright. See you soon, ciao, bye, au revoir.